Bonsoir les filles. Alors ce soir, je suis dans ma chambre et je fais le DP de chez Amazon. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des endroits qui sont super mal imprimés. Je pense qu'il va durer super longtemps. Voilà, il y a des endroits, c'est une catastrophe. Surtout au niveau des cheveux. Là. Voilà. En plus, je suis dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai pas la tablette lumineuse. De toute façon, c'est un DP que je garde pour le soir dans ma chambre. Pour éviter de. Autrement, sinon, bon, j'ai bien avancé. J'ai envie de le faire, de commencer ce soir. Il y a 22 couleurs. Il est pas mal quand même. Il est très joli. Et je crois que c'est par ici que j'ai pu s'en voir. Mais bon, il faut quand même que je le fasse. J'ai pas fait de réclamation à Amazon parce que bon, j'arrive à me débrouiller, je regarde le dessin et il y a des endroits où je vais peut-être en baver, mais bon. Ce n'est point grave. Et là, j'ai été obligée de mettre mes perles fort à mesure dans un petit pot de yaourt. Comme j'ai mis le ventilateur, évidemment, mes perles là-dedans, elles s'envolent. J'en avais plein mon lit. Donc, j'ai dit à mon fils, tu me montes un pot de yaourt. Et voilà, je fais avec le pot de yaourt. Ça va, j'y arrive aussi. Bon, certaines personnes vont me dire, comment tu fais pour faire des DP comme ça? Mais en fait, si je déplace tout mon matériel qui est en bas, là c'est une. Normalement, c'était fait pour le coloriage. C'est un chevalet que mon conjoint m'a fabriqué pour le coloriage. Et à la base, ce n'est pas pour les DP. Donc j'arrive à me débrouiller, à faire du DP quand même dans ma chambre. Donc j'y arrive quand même. Parce qu'on apprend à se débrouiller. Voilà. Voilà, je tiens mon téléphone dans une main, le pot de yaourt sur ma jambe et le stylet de l'autre main. Donc, évidemment, c'est un peu chaud patate, mais il me manque une main, quoi, en fait. Mais je ne suis pas une pieuvre, donc j'ai deux mains. Après celui que je suis en train de faire, celui de ma soeur, là. Le DP que ma soeur m'a gentiment offert de Yves Rodry. Je commencerai le DP que m'a offert Lara et sa maman. J'ai réussi à enlever les rivières, je l'ai repassé, j'ai enlevé les rivières, je l'ai mis à plat dans ma pochette à dessin et tout est revenu. Donc voilà, moi je commence à bien me débrouiller. Tout ça grâce aux youtubeurs et youtubeuses que je suis. Donc ça m'aide beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je pense que j'arrive à me débrouiller maintenant. Par contre, il y a une abonnée. Il va falloir qu'elle arrête parce que je l'ai vu commenter plusieurs chaînes YouTube. Et je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais elle est toujours en train de dire il faut pas mettre les. Faut pas replier les toiles, nanani. Sur ce site, il y a des carrés aussi. Je suis désolée, moi sur Amazon, j'ai déjà commandé plusieurs fois. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de toile avec des diamants carrés. J'ai toujours eu des ronds. Alors si elle a eu des carrés, tant mieux pour elle. Mais moi jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai fait des commandes, certes, j'ai pas eu que des partiels, j'ai eu des complets aussi. Mais les diamants, ce n'était que des ronds.
Donc elle, si elle a réussi à avoir des carrés, tant mieux pour elle. Moi, en attendant, pour l'instant, j'ai eu que des ronds. Et j'ai pas eu que des partiels, de toute façon. Et puis, elle a commenté la vidéo de Wish. Hein. Elle n'a pas commandé la vidéo de Amazon. Hein. Les dernières toiles que j'ai reçues en partiel, c'était Wish. Alors déjà, avant de dire des âneries sur ma chaîne YouTube, qu'elle écoute la vidéo en entier. Hein. Donc, petite parenthèse, de toute façon, à chaque fois qu'elle mettra un commentaire qui ne me convient pas, je supprimerai le commentaire sans lui répondre. Maintenant, j'arrête de me prendre la tête avec ce genre de personne. Elle est peut-être abonnée à ma chaîne, mais j'ai regardé la sienne, il n'y a aucune vidéo. Donc, avant de critiquer les vidéos des autres, qu'elle en fasse elle-même, après on en reparlera. Et puis, elle peut se désabonner de ma chaîne, je m'en fiche. Je m'en moque pas mal. Moi, je fais ça par passion, je fais pas ça par jalousie, par voilà, se moquer des gens, leur mettre des trucs de la négativité dans leur vie. Non, non. J'en ai assez chez moi. Mais non, je veux qu'on me laisse tranquille, qu'on me fiche la paix, quoi. Donc, moi, je fais des vidéos YouTube parce que ça me plaît. J'aime beaucoup LinkedIn, parce que ça me plaît. J'ai commencé à faire des lives sur Facebook aussi aujourd'hui parce que ça me plaît. Et ceux qui sont pas contents, eh ben, donc à pas regarder mes vidéos. Hein. Donc à aller voir ailleurs. Hein. Tout simplement. Moi, ça me dérange pas. Hein. Donc voilà, la petite parenthèse. Et je vais remercier en même temps les filles. Ont participé à mon live cet après-midi, Pandora, Lara, Virginie, Marie et plein d'autres. Superbe, je suis très contente. Pour une première fois en live, ça s'est bien passé. J'étais contente. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et une bonne nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, abonnez-vous et partagez. Merci, bonne soirée.